Allez, bonsoir tout le monde. Alors pour vous, bonjour à tous, bon petit déj, ici c'est Nina. Bah écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, hein, les aléas de la météo, hein, région parisienne, il devait pleuvoir toute la journée, 80%, 80% de probabilité hein, sur le téléphone. Et non, mais là, c'est une chaleur à crever. Donc la météo, arrêtez de jouer avec les particules, hein, arrêtez de jouer avec les particules, hein, parce que on est déjà suffisamment fatigué. Hein. On n'a pas envie d'être davantage, donc messieurs qui jouez avec la météo, allez vous informer, messieurs, dames. Parce que là, moi, franchement, je commence à être vraiment, vraiment, ich bin sehr, sehr müde. Je suis vraiment fatiguée. Le temps, c'est du n'importe quoi. Mes poules sont super énervées. D'ailleurs, vous avez vu, petit coucou, hein, les petits animaux de Nina qui est passé. Voilà, moi, ma photo préférée, c'est mon petit Mulder Noël. Mon bébé, mon Jésus, petit enfant. Bref, oui. Alors, aujourd'hui, on va tenter hein, d'être un peu moins bavarde. Hein, manifestement, la vidéo que j'ai faite sur Maître Brusa, pardon, himself lui a bien bien plu parce que j'en ai eu des retours. Il m'a partagé Danke sehr. Merci beaucoup à vous, Maître Brusa. Manifestement, il est super abasourdi par le résultat. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Donc, aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, je vais faire comment s'appelle-t-il l'autocar, le comment dire, le comment s'appelle-t-il? Il s'appelle, c'est le Bill Gates. Il y a un air de Bill Gates à la française, à savoir Alain Fischer. Je l'appelle propre. Je ne vais pas. Voilà, je commence à m'énerver et je bégaye. Je ne vais pas commencer à l'appeler professeur parce que je vous invite à aller voir sur YouTube. Moi, hier, j'ai regardé tout le débat qui a été instauré par le Sénat, hein, etc., sur les effets secondaires de la vax. Autant vous dire que si vous n'avez pas envie de vous énerver, ne regardez pas ça. Sinon, c'est extrêmement intéressant. Et donc, hier, je l'ai vu dans toute sa splendeur, cette espèce de chose. Voilà, hein, vraiment. Et il y avait le côté pro et le côté contre. Wow, wow. Il faut rester calme, hein, quand même. Il faut rester calme. Hein. Quant au mathématicien, hein, je ne sais plus son nom. Hein, mais va chez le coiffeur, monsieur. C'est pas possible d'avoir une dégaine pareille. Bon, par contre, j'ai trouvé très équitable. Hein. J'ai trouvé très très bien. Hein. Alors, le mathématicien je me souviens plus. Je suis désolée. Moi, en fait, j'étais focalisée sur ses cheveux. C'est incroyable. Il y avait double raie de cheveux. Enfin, il n'y a pas moyen. Je comprends pas. Il était gêné par ses cheveux. Mais non, mais il en a tellement plein la tête que les cheveux, c'est secondaire. Vous voyez, ça m'interpelle toujours, toujours, toujours. Bon, allez. On va tenter de pas trop bavarder parce que j'essaye hein, de soigner ça, j'essaye. Mais je suis une femme et j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Enfin, là, je vous cache pas que sur le truc là, Fischer, on va pas l'appeler Fischer, on va l'appeler le pêcheur. Voilà. Là, je pourrais faire une chanson aussi. Hein. Là, si je me lâche, je fais une chanson. Je vais pas le faire. Pour vous, il est trop tôt et pour moi, il est trop tard. Donc, allez, on est parti avec ce personnage. Hein. On va voir ce que ça va nous dire. Bon, allez, let's go. Vous avez un petit peu de bronzage quand même. Vous avez l'histoire. Bon, allez. Ça, c'est quand je travaille dehors. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les mots? Les mots. Les mots. Pour lui, c'est des mox avec le X. Moi, hier, je lui aurais bien fait becquer, excusez-moi, mais ses lunettes. Hein? Ah oui, oh, je lui aurais fait bouffer, mais avec un vrai, vrai plaisir. Donc, si vous voulez rester calme, ne le regardez pas. Sinon, aller jeter un œil, c'est extrêmement intéressant. Hein? Très intéressant. Bref, 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 bref. Il y a pour certaines personnes qui font partie du gouv qui ment, évidemment, on va essayer de détourner un petit peu la montagne, comme dit Nana, l'information autrement. Ouais, les personnes du gouv qui ment concernant la vax, je dois dire qu'il y avait une petite dame en rouge. Elle, pareil, c'est les dossiers, les lunettes, les chaises, j'aurais tout pu lui faire becqueter. Hein. C'était insupportable. Et là, vous vous rendez compte qu'il parle des gens, et notamment des enfants, comme du bétail. Comme du bétail. Franchement. Oh!
Sans problème, ils ont parlé d'un enfant qui a perdu la vue suite à la première injection, mais pour être bien sûr, il fallait faire la deuxième. Et alors là, ils décrivent ça comme un cas de voilà, c'est une expérience, on s'en fout. Vraiment, vraiment, si vous souhaitez rester calme, ne regardez pas ce truc. Mais moi, je l'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On vit une époque qui me sidère, qui me sidère. Allez, le pêcheur, le pêcheur. Et vous, regardez-le bien, il a une tête, c'est Bill Gates sur le retour, enfin Bill Gates à la française, quoi. Voyez? La même classe, la même. Pff. Enfin, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais alors, les gens qui débattaient sur le bout de gras par rapport au pseudo-vax, qui était extrêmement extrêmement sympa, sans problème et tout, je me suis dit, oh là 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 là, je ne pourrais pas, messieurs, dames, je ne pourrais pas rester calme, surtout si j'étais l'un des parents avec un enfant avec des problèmes. Donc, encore une fois, restez souverain, protégez vos enfants. Allez, le fisher, le pêcheur, the wish. Voilà, regardez, donc, oh là là, mon Dieu. Oh, tiens, allez, je vais en prendre 3-4 parce que il me dégoûte. Vous avez vu comme je l'ai jeté? Je l'ai jeté comme un caca, comme lui. Bien, nous avons l'alliance. Bah évidemment. Bah écoutez, oh jamais, jamais, jamais. À chaque fois, je le dis, jamais j'aurais pensé. L'alliance, nous avons accepté, bien entendu, parce qu'il y avait une grande, grande tentation, évidemment. Vais-je de vers toi? Vais-je de vers? Bon, je ne traduirai pas. Parce que là, il est tard, j'ai pas fait mon lit. Bref, nous avons l'alliance, l'envie, la jalousie, le repos. Oui, il est tenté de prendre du repos. Moi, je ne saurais trop le conseiller. Hein? Je ne saurais trop lui conseiller de oui, hein? Va faire dodo. Oui, va dormir. Hein? T'as besoin de te repérer. Te repérer, ouais, peut-être. Et surtout de te reposer. Donc voilà, succès. Affection. Il aime beaucoup le succès. Il est très très attaché par le succès. Il y a des petites alliances, hein, voyez. Ça lui faisait envie de faire une alliance pour avoir du succès. Oui. Mais c'est sûr que quand on parle du pseudo-co plus loin V, plus loin ID, il est évident que ça, c'est sûr, quand on est pédiatre, on a envie de succès. Oui, quand on est pédiatre. C'est sûr que là, on vise le succès. Ah, bien sûr, qu'est-ce qu'il en a à secouer, lui? Hein, on a un professeur Raoult, un Perron, etc. Là, ok. Là, on est sur du lourd, on est sur des vrais pros. Mais un pédiatre, sans déconner, à part avoir vraiment beaucoup envie du succès avec des alliances et les accepter, parce que la tentation est grande. Hein. Ah oui, on a beaucoup d'affection pour tout ça. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Le cœur, affection, repos. Tentation, repos, cœur. Oui, bah oui, il faudrait. Oui, l'affection, le cœur. Attention, hein, attention. Il va tenter de toucher les gens en passant par le cœur. Ouais, il y a quand même le mot central, c'est jalousie. Voyez, jalousie. Et oui. Donc, nous sommes partis. Qu'est-ce que lui disent les heures miroirs ou qu'est-ce que. Non, bah non, je vais prendre des accords Toltec. On y va. Il fait chaud. Je vais prendre. Alors, je regarde un petit peu hein, où nous en sommes. Et bah écoutez, les mots, vous ne les verrez pas. Je vais pas redescendre le téléphone parce que sinon, je me prends dans la tête. Donc, c'est pas la peine. Le professeur. Non, non, cette chose. Le pêcheur. Hein? Alain le pêcheur. Ça lui va bien, ça. Alain le pêcheur. Oh, on aime le gouffre qui ment. Oui, le pêcheur. Le pêcheur aime trop ça. Bon, non, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'arrête! C'est sûr que prendre de telles positions par rapport à un pro de chez pro, un pédiatre, un MDR, pédiatre. Ouh, dos de deck. Ouh. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Waouh. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime.
Or, chacun sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Alors, en plus, pépère, faut le croire, il faut l'écouter au doigt et à l'œil, parce que lui, par rapport à cette carte, il détient la vérité, et c'est une vérité qui est absolument gravée dans la pierre, immuable, pérenne, et il ne comprend pas que les autres ne le comprennent pas. Hein? Comprends pas. Comprends pas. Coucou à toi, Anne. Tu vas comprendre. Ma copine. Alors là, franchement, bon, bref. Comprends pas. C'est un truc de fou. Non, 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 hein, c'est évident. Tout ce qui est évident pour lui, c'est incroyable. Hein. Chacun sa propre logique, pépère. Ces gars me fatiguent. Ces gars me fatiguent. Aïe, aïe, aïe. La carte qui était tombée avant de faire le dos de deck, hein, et comme d'habitude, of course, ça m'énerve. Toutes ces cartes qui ne veulent pas rentrer dans la boîte, ça m'énerve. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Eh ben, il se passe pas des trucs sympas en toi, hein, parce que quand t'agis, c'est pas top, hein. Donc, ce qui se passe en toi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le vol Nina Airlines. Préparez les sacs à vomi. Bref, faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ah non, 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 merci. Non, on a donné, ça va aller, hein. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Ouais, bah alors là, tout est dit, hein. J'ai peut-être pas besoin de traduire ça, hein. Mais bon, bon, bon. Hein, voilà, en réponse au mouvement impulsé, dès le départ. Non mais non, sérieux. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Non, s'il te plaît, tes idées, tu les as mises en action, c'est bon, reste chez toi. Hein. Et très sûr de lui, monsieur. Hein. Un ego. Ah, je vous dis le melon. Hein, c'est pas chapeau melon et bottes de cuir. Hein, lui, c'est chapeau melon et cravache de Manu. Mais un truc de dingue. Hein, chapeau melon et cravache de Manu. Et crush, allez. Voilà un crush. Bon, bref. Déjà, il me fatigue. Hein, je vais être honnête. Déjà, il me fatigue. Allez, nous sommes partis. Nous sommes. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Tiens, je vais regarder avec deux, trois charmes. Attention pour le bruit. Ça marche. De manière générale, les charmes, ça fonctionne bien. Vas-abonzi. Nous avons ici la direction. Bah, tu m'étonnes. Hein, c'est quelqu'un qui sait choisir sa direction. Ah, bah ouais. Il faut choisir sa direction par rapport bah, à la parole. La parole qu'on entend le plus, là, c'est une bouche. Ça pourrait être la gourmandise, la sensualité, tout ce que vous voulez. Mais le concernant, ouais, il a choisi sa direction. Celle de la parole qui se fait entendre, voyez? C'est un truc de ouf. Ouais, puis il a une très très haute estime de lui-même, ce monsieur. Oh. Alors ça représente l'alliance. Non, Aïmal, ici, l'alliance. Encore une fois, l'alliance. Mais évidemment, il a choisi la plus belle direction le concernant, à savoir ceux que l'on entend le plus, qui prennent beaucoup la parole. Il a choisi, il a fait cette alliance avec eux. Lui, c'est le carré, c'est le monsieur, c'est le côté carré. Vous voyez, hein? Bon, quand je vous avais dit de prendre les sacs, hein, bon, évidemment, c'est un médecin, la maladie, enfin, un médecin. Bon. Ouais, il est comme les chats, hein, vous savez, il va retomber sur ses pattes, ce monsieur. Là, il est là, il attend, il est sur la branche. Ouais, il travaille avec le cœur, oui. Hein? Avec tout le monde, hein, bah, tous ces gens qui travaillent avec le cœur pour la terre entière, ils commencent quand même à être sacrément nocifs, les gars. Hein? Mais il a une très 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 haute estime de lui-même, hein, ce monsieur. Ouh la vache, il touche plus terre. Il ne touche plus terre. Mais évidemment qu'il a été choisir son alliance. Alors là, j'ai. Au revoir, monsieur, dame, c'était Nina. On a parlé du Martin Pêcheur. Enfin, peut-être pas Martin, mais du Alain Pêcheur. Là, bah, je peux m'arrêter ici. Tout est dit, entre les mots, ça. Voilà. Hein? Il a choisi le côté du plus fort. Voilà, bah, voilà. Voilà. Hein? Dois-je continuer? Bah oui, je vais le faire, hein, parce que vous me suivez, parce que aussi c'est amusant. Enfin, c'est amusant, c'est toujours très instructif, va-t-on dire. Mais n'empêche que tout est dit. Tout
t'ai dit, je n'en peux plus de ces gens. Faut que vous sachiez que là, il va falloir que je trouve d'autres idées parce qu'ils commencent vraiment à me saouler. Vraiment beaucoup, beaucoup. Victoire, réussite, les honneurs, le succès, le gain, voyez ? Amitié, attachement, affection, attraction, affection, affection, attraction, tentation. Le gain, le succès, voilà pourquoi il travaille. Hein. On n'est pas face à quelqu'un qui aime profondément. Les passions, non, oh, mais c'est pas possible, à chaque fois je fais une vidéo, c'est pas possible, it is not possible, alors attendez, est-ce que c'est moi, là c'est soit au choix, hein. Soit c'est Jar Jar Binks, ou bien l'autre là, Omar Sy, ouais c'est ça, lui il se tait, ça fait du bien, hein. Ouf, enfin bref, en tout cas moi je l'aime pas, bon ça c'est personnel, vous avez, attention, je ne dis pas que vous ne devez pas l'aimer. Moi, j'aime pas le gars, mais ça n'engage que moi. Elle est fatiguée, la Dina. Ça n'engage que moi, d'accord ? Faites ce que vous voulez, c'est pas un problème si vous l'aimez. En tout cas, pour moi, c'en est pas un du tout. C'est juste. Voilà. Bon, moi, quand j'ai vu que, oh là là, tu vas avoir des problèmes, toi. Ah oui, notre président, il est tout petit. Ouais, mais n'empêche que quand le président de l'époque, à savoir encore un escroc patenté, l'a invité à l'Élysée, l'autre, c'est Courage Fillon. Hein. Ouais, il n'est pas réputé pour avoir une grosse paire. Hein, quand même. Non. Allez, on est parti. Oh, too much. Ok. Mon Dieu. Il n'y a que l'argent, la carrière, la réussite. Le succès, ça fait déjà 4 fois que je le vois. Voyez, il n'y a que ça hein, qui fait bouger. Voyez, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Cette phrase résonne très très bien, tout ça. Il agit pour manifester ce qui se passe en lui. Ben, ce qui se passe en lui, c'est quoi? C'est le succès, le gain, les avantages, les attachements, les affections, les sympathies, les avancements, la réussite, le succès. La seule chose qui le fait avancer, c'est la notoriété et puis la thune qui va avec. On s'entend. Hein, mais en passant par la voie qu'il a choisie. Voilà, homme mauvais, cruel, méchant, impitoyable. Mais cependant, il aime la victoire, la réussite, les honneurs, les gains, les succès avantageux. Voilà à qui nous avons affaire. Au revoir, messieurs, dames, c'était Nina. C'est pas la peine de continuer. C'est un truc de ouf. Moi, ça finit par me fatiguer. Nous continuons. Je prends celles qui se sont retournées, bien entendu. Va, Sabanzi. On va la mettre là. Elles se sont retournées, je les prends. Ici, nous avons... Regardez, ici... Parce que c'est quand même, faut le voir quand même. Elle va pas durer longtemps la vidéo, tout est dit déjà. Hein. Je dois être parfaitement honnête avec vous, comme ça j'en fais une de plus. Tout le monde y gagne. Mais par rapport à lui, je vais pas m'asseoir sur cette espèce de chose là. Hein. Écoutez-le, allez le voir. Je vous invite à aller le voir et ensuite chacun pense ce qu'il pense. Et comme disait Coluche, quand on voit ce qu'on voit hein, et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Et ben voilà. C'est tout. Donc cet homme qui adore la réussite, les honneurs, le succès, il a une grande, regardez les mots ici, c'est un truc de fou, parce que tout est dit par rapport aux mots, par rapport à cette phrase. Le succès, il a beaucoup d'affection pour le succès, voyez ? Donc il a beaucoup d'envie, hein, ses envies de succès, donc il fait des alliances. Qu'est-ce que vient nous casser les bonbons ? Un pédiatre, sérieusement ? Ben oui, je suis obligée de me mettre en colère. Un pédiatre, hein ? Par rapport à tout ce qui est arrivé. Non mais sérieux, si on avait pris le boucher du coin, ça marchait aussi, hein, à la limite ça marchait mieux, parce qu'au moins lui il est humain, voilà, bref, ici il aime beaucoup, c'est un homme mauvais, cruel, méchant, impitoyable, voilà son visage, qu'est-ce que je vous dis en tout cas, selon les cartes, encore une fois, ce n'est pas une science inscrite dans le marbre, c'est un art, etc, ça je le dis à chaque fois. Voilà. En tout cas, cet homme vicieux, vie déréglée, malformation, vice, a beaucoup d'attachement et de sympathie pour ce genre de vie, pour ce genre de succès, de gain, de victoire. Là, on est face quand même à un gros cracra. Hein, un gros cracra. Hein, Alain le pêcheur. Ouh,
D'accord. Là, vous voyez le désordre, l'inconduite, la dissipation, la confusion. Tout ça avec l'avancement, la réussite. Pour ce gars, pour être vu, pour avancer, pour avoir un petit peu de thune, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Tromperie, fausseté, dissimulation, conspiration, tempête, mais aussi le voyage, l'activité débordante. Je vous le dis, il est prêt à tout. Il est prêt à n'importe quelles alliances. C'est sorti également dans les charmes. Hein. J'avais oublié, j'avais fait les charmes. On voit l'alliance. Hein. On voit dans quelle direction il va aller. Dans celui qui parle le plus fort. Hein? Ben oui. Voilà, Tokarland. Alors lui, on est face. Quand je vous parlais d'un Bill Gates à la française de chez Wish, ben voilà. Voilà. Deux crottes. Et je prends vraiment beaucoup sur moi pour pas aller au-delà dans ce que je pense profondément de ces deux personnes. Voilà, hein, on va rester poli et puis on va faire attention parce que vous pouvez dire n'importe quoi si vous êtes une chaîne d'actu, même sur YouTube, hein, traiter le pseudo gouverneur, le monarque absolu 2022, comment dire. Vous pouvez le traiter de tous les noms si vous êtes une chaîne qui a, je sais pas, moi, 500 000 abonnés. Par contre, vous êtes une chaîne de voyance avec même pas 20 000. Ah ben là, on va vous casser les noix. Donc, c'est un truc de fou. Comme quoi, voilà autour de quoi ça se focalise au niveau du palais. Voilà, le gars, de toute façon, en plus, il est très organisé, hein, il est prévoyant. Il assure sa sécurité, il assure sa gestion, son épargne, il met l'ordre. Il est prêt à tout, ce mec, pour avoir un petit peu de pognon, se mettre bien à l'abri. Il est 100 fois ni loi. 100 fois ni loi, selon les cartes, évidemment. Selon les cartes. À un moment, je ferai aussi l'autre là. Double rangée, hein, les dents comme les requins, Marty. Par contre, hein, il est capable, hein, il est capable, c'est un homme vicieux, avec la vie déréglée, etc. Mais il est capable aussi d'être tolérant, de compatissant. Two faces, d'accord? Il prendra le visage qu'il faudra pour arriver à ses fins. Il est très, 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 il est complètement affection. Il est attaché profondément au succès, à être visible, à être reconnu. Mais n'est pas Raoult qui veut Anna. Ici, vaste chagrin, tristesse, etc. Peine de cœur, pessimiste, idée noire. Bah oui, il a foutu le bordel partout, évidemment. Hein. Il fait des dégâts. Derrière lui, il cause pas mal de dégâts. Hein. En plus, on ne peut pas dire qu'il soit très très joyeux. Hein. Il est pessimiste, il a des peines de cœur, il a des idées noires. Oui, t'as le droit d'avoir des idées noires. Ouais, à ta place, si je me mets à réfléchir par rapport à tout ça. Va dans ta chambre et réfléchis à ce que t'as fait, Alain le pêcheur. Hein. T'as le droit d'avoir peur. T'as le droit d'avoir des idées noires. Hein. Oh, il y en a deux ou trois vases. On a là ici. Voilà, voyez? Hop là. On l'a ici avec quelqu'un qui trompe, qui est faux, qui dissimule, qui conspirationne. Mais voilà, là, il négocie, hein. Les gains illicites, le voleur, c'est pas un souci pour lui. Absolument pas. Voilà. Et puis là, c'est que ce soit dans un sens ou un autre, on est dans de l'intrigue, d'accord? On est dans de l'intrigue, la méchanceté, la fourberie, etc. Les deux côtés, et l'autre côté, c'est la privation, l'intrigue, le manque. Enfin, voilà. Là, Pépère. Ah, on est sur du high level, encore une fois. Hein. Là, on est vraiment sur du high level. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vais pas prendre de jeu italien parce qu'on va tourner en rond. Je vais prendre celui de, on va dire, Amandine Roy. C'est parti. Alain le pêcheur. Alain le pêcheur. Si je sors le drapeau de l'État, je vais être morte de rire. Voyez, regardez, l'homme cruel, impitoyable, méchant, tout ce qui s'ensuit. Sur quoi il a bossé? Sur quoi il bosse en disant que tout se passe bien? En disant que tout se passe bien. C'est bizarre, moi, en voyance privée, j'ai des personnes qui bossent dans des matières et qui me disent qu'il n'y a jamais eu autant de bébés in utero décédés. Ben, c'est pas grave. Là, on a fait des essais, tout se passe bien. Même par rapport à la fertilité, on parle, excusez-moi, je vais être vulgaire, hein, je vous le dis tout de suite, on parle d'un putain de pédiatre. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Oh my God. Bon, je dis plus de gros mots, c'est fini. Chérie, reste calme.
Regardez les contrats. Voilà. Alors lui, il ne bosse que là où il sent que ça va être bon pour lui. Voyez les contrats avec cet homme vicieux, avec voilà. Hein? Mais il peut être très gentil aussi si on lui demande. Hein? Ah ben oui, il va là où sa chance sera la plus grande. Voilà. Voilà, regardez la technologie, ça, oh, mais ça parle tellement bien, ça le gêne pas, hein? Voyez, regardez l'avancement par rapport à la news les news technology, c'est un problème, ce n'est pas un problème pour lui. La technologie, la fertilité, là il va là où il peut avoir un petit peu de thune et de succès. Mais c'est un vrai bordel sinon, hein? C'est une confusion, c'est pas grave, avec beaucoup d'idées noires, parce que ouais, quand il se regarde dans une glace, est-ce que ça fait ou est-ce que ça fait autre chose? En attendant. Mais j'ai jamais vu un opportun pareil. Jamais! Jamais! Pédiatre. Pédiatre. Voilà. Bon, bah, ton karma, mon pépère, c'est de. Là, tu vas voir ton karma quand ton âme va te rattraper. Oui. On va voir ce qu'on va mettre sur ces deux cartes ici. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Oh! Oui, il va y avoir, excusez-moi, il va y avoir quelques petits problèmes, par contre, hein, par rapport à la fertilité. Il y a certaines personnes qui vont prendre ça comme une trahison. Oui, bah, tu m'étonnes. Ah bah tu m'étonnes, hein. Mais là, monsieur, ça veut dire double signification. Ça veut dire aussi que monsieur, quand on dit des choses par rapport à ça, hein, ce breuvage merveilleux, par rapport à ces dames-là, oh mon Dieu, quelle horreur! Vous n'avez pas honte de dire ça. Nous sommes sûrs de nous, mais oh là 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 là. N'empêche que c'est dans le deux sens, parce que ces dames-là, mon pépère, à un moment, ça va te retourner en pleine tronche. Ça s'appelle l'effet boomerang. Hop, regardez la fidélité par rapport au contrat. La tête sur le billot, messieurs, dames, la tête sur le billot. Vous le mettez, la tête sur le billot, en lui disant, tu vois, ça c'est à cause de ça. De ton breuvage de mes deux, excusez-moi. Ah non, non, il restera fidèle à son contrat. La tête sur le billot, il lâche pas l'affaire. Oh mon Dieu, j'ai bah. Je prends sur moi, hein, pour pas être vulgaire, vulgaire, vulgaire. Et Dieu sait que je pourrais être très très prolixe. Donc non, je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi, ce mec est un étron. Voilà, point. C'est tout. Il est en alliance, alliance, alliance. Contrat. Succès. Voilà, personne toxique, hein, avec la technologie, etc. Machin, machin, machin. Ah bah c'est sûr, on n'est pas sur du high level. Hein? Regardez ses petits yeux cruels. Personne toxique. Voilà. J'aimerais bien, ouais. Quand son âme va l'isoler, celui-là, ouais, ça va faire du bien. Franchement, je dois dire que cette carte me fait un grand, grand plaisir. L'isolement, hein, c'est karmique, ça va lui revenir en pleine tronche. Mais là, il a complètement oublié son âme, lui. Bah, évidemment, il n'y a plus d'âme là-dedans. C'est plus une âme qu'il a, c'est un tiroir-caisse. Un tiroir-caisse. C'est un truc de dingue. Vous voyez, comme ce sont les cartes, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, toujours avec ces cartes. Ça s'oriente comme ça doit s'orienter. En attendant, c'est pas moi qui oriente, je ne fais que traduire. Bon, bah Alain le pêcheur est un étron. Hein, voilà. Alain la pêche. Hein, Alain la sardine. Alain le. Comment ça s'appelle? Vous savez, Alain l'hameçon. Alain l'hameçon. Regardez. Hop, hop, hop. Tu m'étonnes qu'il va y avoir des problèmes par rapport à certaines communications. Ah oui, mais là on va la jouer. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est de la trahison, c'est de la diffamation. Non, non, mon pote, ça va devenir en pleine tête. Ça marche dans les deux sens. Hein. Lui va faire il va nous faire la vierge effarouchée par rapport à tout ça. Mais par contre, que c'est ce qui va tomber. Hein. Regarde ce qui t'attend, pépère. Olé. Ouh, regardez donc. Hein. Encore cette notion d'arme. Hein. Toi, c'est bientôt la fin de ton chemin de vie. Je dis pas que de manière physique. Non, non, non. Tu t'es complètement détourné de ton chemin de vie, ça passera pas. Ok. Oh, regardez la fidélité par rapport au contrat concernant les enfants. Là, je veux dire un truc, ça ne s'invente pas. Je pourrais arrêter maintenant, tout est dit. Hein.
Vraiment, d'ailleurs, je vais pas rester de plombe là-dessus, ça c'est sûr et certain. Même si ça doit faire que 20 minutes, mais on a, messieurs, dames, déjà fait le tour. Je vais finir avec la triade, évidemment, pour qu'on voit un petit peu ce qu'il attend. Mais, écoutez, même une personne qui ne sait pas du tout, qui n'est pas très à l'aise avec la lecture des cartes, c'est tellement facile à lire que c'en est déconcertant. Regardez les accords qui ont été pour lui, qui a pris comme lui, comme une chance, d'accord? Avec cette alliance avec qui il a passé tous ses accords. À la base, en dessous, on n'oublie pas tout de même qu'on a l'homme vicieux, mais qui est changeant, attention, hein, je ne sais pas quel est son signe du zodiaque, Mais bon, hein, on est sur du quoi? Gémeaux? Balance? Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a deux, voyez, il y a deux personnages. Donc, ce gars qui a signé des contrats, hein, parce que c'était la chance de sa vie, qui est très fidèle à cette alliance, qui bosse pourquoi? Parce qu'il les enfants. Là, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Puis il est clair dans sa tête, hein, il a le bulard, il a une tête comme ça, il a la tête comme ça. Mais ça se trouve, cette espèce de dégénéré, il est persuadé qu'il a raison en plus. Ah, parce que je vois bien l'histoire, tellement il touche plus le sol, tellement il se prend. Oh là là. Mais je le vois bien, je le sens bien comme ça. Hein? Comme quoi, quoique il y a ce côté très 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 manipulateur, en tout cas très très intéressé. Mais voilà, en même temps, ils ne sont pas allés chercher quelqu'un qui allait les jouer contre eux. Hein. Ils ne sont pas idiots non plus. Hein. Ils sont allés chercher une personne qui les représente et qui sont exactement dans le même mouvement. Regardez. Les personnes toxiques ou positives. Deux faces, deux mecs. Ce mec a deux personnalités. Hein. En tout cas, là, le mot qui me vient, ça va être le retournage de veste en bonne et due forme. Ah oui, quand il faudra de la personne cradingue, il sera quelqu'un très très bien, parce qu'il n'avait pas le choix, ceci, cela. Ça s'appelle aussi un gros gros lâche, ça s'appelle courage fuyant. Ouh, vous voyez là, ce qui est tombé, là, la croisée des chemins par rapport aux contraintes. Ah oui, à un moment, ça va devenir très très lourd, les contraintes. Ce monsieur est à la croisée des chemins. Ah oui, ça fait plaise. Je dois dire que c'est assez plaisant pour moi. Le vent tourne, Sherlock. Le vent de l'Est se lève, Sherlock. Bon, ça, c'est pour ceux qui surkiffent Sherlock Holmes, la série anglaise. Tiens, d'ailleurs, ce soir, je vais peut-être bien me mettre ça dans mon petit dodo. Comment vous dire? Là, il y a beaucoup de secrets, hein, encore, qui sont cachés, qui sont isolés. Nous sommes d'accord. Oh, oui, il y a des choses à découvrir. Hein. Il y a des choses à découvrir qui sont encore cachées, qui sont isolées. D'accord? Oui. En lien avec son âme aussi. Enfin, bon. Oui, la sensualité, bon, admettons. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Mon Manu, toute ton douceur. Monsieur est séducteur. Bon, monsieur aime la teuf, oh mon Dieu. Par contre, la fête est finie, Pépère, c'est à l'envers, hein, d'accord? La fête est fini. Ouais, c'est à l'envers. Hein, moi, je traduis comme je peux, je traduis comme j'ai envie. La fête, c'est terminé. N'empêche que pour la fête, si on la met dans l'autre sens, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Là, c'est la teuf. Hein. Je vais vous dire un truc. Alors, par rapport aux enfants, ouais. Bah, on fait ce que lui demande mon mamour, ma biche. Vous voyez? On lui fait. Il forme un couple avec les pseudos. Dirigeant. Il est sans foi ni loi, d'accord? Là, c'est Mamour, ma biche, les relations. Bon, bah, ça forme un couple avec ces gens-là, puisqu'il a signé une alliance. Vous voyez, ça parle très très bien quelque part. Ici, il y a des contrats. C'est une chance pour lui, évidemment. Pourquoi il y a une alliance? Regardez cette alliance. L'alliance et le couple. Bon, bah, l'alliance et le couple, nous parlons bien d'une alliance étatique par rapport aux enfants. Là, franchement. En prenant un petit peu plus dur à traduire, mais là, jusqu'à maintenant, easy, quoi. Disparition. Ah, on va faire disparaître des dossiers? Oh!
Le fil, hein, qu'est-ce qui s'est tourné là? L'esthétisme, ouais. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'il faut faire disparaître. Ouais. Si, avec les enfants. Ok. Donc lui, il va se faire passer pour un grand pépère au coin du feu, d'accord? Qui a besoin de repos. Il a besoin de repos parce qu'il a des douleurs dans le cœur, peut-être? Hein? Ça lui fait mal au cœur, il a besoin de repos. Laissez-moi tranquille, je suis chez moi, je ne demandais rien à personne. Oh, oh là là, le traître, le traître. Le lâche, le lâche. C'était quoi cette carte qui a volé? Non. Ah, l'accident. Bon, je ne sais plus ce que c'est. Alors, sur le secret, qu'est-ce que nous allons avoir? Il y a encore des choses qui sont bien planquées, mais qui sortiront, blablabla, blablabla. Ah oui, il y a des choses qui vont sortir. Hein. Il y a des choses, des secrets qui vont sortir de l'isolement. Ça va causer, hein. Ça va causer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est plaisant. C'est assez plaisant, je dois dire. Ici, la justice. Ah oui, il serait temps, hein, qu'on retrouve un petit peu d'équilibre par rapport à tout ça. Bon, la justice va-t-elle mettre son nez là-dedans un jour? L'équité, en tout cas, ce monsieur, même s'il ne s'agit pas de la justice, monsieur, ce monsieur, pour trouver son équilibre, bah, sans foi ni loi. C'est son équilibre, vous voyez? Hein? Il sait ce qu'il a besoin, il sait ce dont il a besoin. Bon, là, on va dire l'instinct. D'instinct, il sait ce dont il a besoin. Il va aller vers les alliances les plus négatives, certes, les plus néfastes, certes, en tout cas les plus riches pour lui. Puisqu'il ne veut qu'une chose, le succès. Et en plus, il est très envieux. Donc. En tout cas, il a beaucoup d'équilibre. Hein. Il n'est pas du tout déséquilibré par rapport à ce qu'il a fait à ces personnes là. Mais pas du tout. Pas du tout. Il l'a fait en âme et conscience. C'est un truc de dingue. D'où son âme là qui va lui dire pépère là. Attention. Quand je vous le disais, qu'il l'a fait en son âme et conscience, avec de l'esprit, avec intelligence. Là, on ne parle pas des esprits, des fantômes. Non, 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 non. Il est resté fidèle. Il y a mis beaucoup d'intelligence. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est mûrement réfléchi, oui. Réfléchi en son âme et conscience, avec beaucoup d'équilibre. Ah oui, il a signé un accord. Je vous dis, la tête sur le billot. La tête sur le billot, le gars, jusqu'à la fin, vous avez en face de lui quelqu'un qui. Enfin bref, jusqu'à la fin. Non, non, c'est pas vrai. C'est un truc de dingue. Oh, the calculateur, quoi. Oui. Tout ça a été réfléchi. Hein. Cet esprit, c'est l'intelligence. Tout ça a été mûrement réfléchi. L'est toujours concernant, encore une fois, messieurs, dames, les enfants, même par rapport à un nain le pêcheur, les enfants sont toujours le centre du jeu. C'est vraiment ces personnes-là qu'on souhaite atteindre. Plus que tout. Au début, tout le reste était de l'enfumage. Maintenant, c'est ça. Depuis le début, c'est ça que l'on veut. Hein? Là et là. Voilà, les enfants et ces personnes-là. En tout cas, on veut atteindre la fertilité. Pour ne pas donner ce genre de choses. Et ce genre de choses, on veut aussi atteindre leur fertilité. Chacun prend ce qu'il résonne en lui. Si je pouvais sortir le bleu, blanc, rouge, je serais morte de rire. Bon, bah lui, voilà. Oh my God, je l'avais dit, hein. Si je peux sortir le bleu, blanc, rouge, je suis morte de rire. Bon, bah là, il a suivi la campagne, hein. La campagne étatique. VVV, avec les technologies, etc. Vous savez, les gens dans les familles où un jour on était négatif, un jour on était positif, mais enfin, tout ça est une campagne menée. Pour les familles, hein, ça c'est la maison, les familles étatiques. Voilà, je vous l'avais dit, je sors le bleu en rouge, je suis mort de rire, bingo. Voilà, la campagne de l'État par rapport à ça. Ah, sympatoche, hein, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si clair. Dans sa tête, c'est extrêmement clair. Encore une fois, me concernant, je ne dis pas que pour les autres c'est la même chose. Si j'ai un tirage clair dès le départ, c'est que dans sa tête c'est très très clair. Il n'y a aucun doute. S'il était confus, ça pourrait être confus. Moi j'ai des jeux, quelquefois, pour certaines personnes, quand c'est extrêmement confus dans la tête, c'est pareil dans le jeu. Mais là, il n'y a aucune confusion possible en son
âme et conscience, la tête sur le bio. Il a décidé, il a signé, il ira. Mais, on peut pas dire que... On va voir si monsieur... regardez par rapport à la médecine, il y a des choses encore bien, bien cachées, d'accord? Il y a des choses qui sont bien isolées, des secrets qui sont bien isolés, qui vont être révélés concernant la médecine. Regardez, c'est juste à côté de la campagne étatique. Waouh! Là, ça peut pas être plus clair, je suis désolée. j'ai envie de le mettre ici. Hein? Faisons-nous plaisir. Bon, bah, qui va être pris pour un clown? Qui va demander pardon? Ce monsieur, très certainement. Donc là où je disais la tête sur billot, oui, la tête sur billot, il sait qu'il a tort. Mais là, pour l'instant, le vent tourne en sa faveur, il y va. Par contre, le moment venu, courage fuyon, arrivera. D'accord? Donc, vous voyez ce côté où je veux dire... Two faces, c'est le méchant, le gentil, le bourreau, la victime. Ce gars prendra le visage et prendra le rôle, il endossera le rôle qui lui conviendra le plus parce que il tient au succès, il tient... qu'est-ce que vous voulez, comme tous les nuisibles, hein? Comme tous les nuisibles, hein, il prendra le costume qui lui servira le plus. Et s'il faut faire le clown qui demande pardon, il le fera. Mais tant qu'il faut suivre et que derrière on est soutenu, pas de problème, la tête sur le billot, ce que j'ai vu par rapport au Sénat, bingo, la tête sur le billot, non, c'est parfait, c'est incroyable, ce breuvage est magique, voyez. Mais quand les choses vont se tourner, oui, quand il y aura une petite surprise qui va arriver, ah bah là, on va se dire, mais on ne se rendait pas compte, on ne savait pas, on demande pardon. Non, mais sérieusement, quoi. Ah oui, quand il va sentir le déséquilibre, ça, c'est sûr et certain. Ok. Bon, bah c'est pas la peine de continuer. Ici, oui, c'est un gars qui compte sur sa chance. Hein. Il y a un accident, quand même. Hein. Bref. Bon, là, on voit bien qu'il a officialisé... avec les pas gentils, mais il est jaloux de tout le monde, ce gars, et il s'est dit, ouais, c'est ma chance d'être enfin reconnu, plus grand que les plus grands. Là, c'est vraiment ça, l'histoire, hein. Il veut un nom. Oh, mais non. Bon, allez, on va finir, là, j'ai fait le tour, vraiment, très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, vraiment pas. Là, on est sur... Même étron, c'est trop gentil. Allez, on va finir avec ça. Parce que là... Franchement, j'ai pas envie de continuer parce que tout est dit. Hein. Absolument tout. Nous savons à qui nous avons affaire. Hein. Deux visages. Hein. Deux visages. Et puis, le gentil, le méchant. Le bourreau, la victime, etc. etc., etc. En tout cas, il endossera le costume qui lui... sauvera la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est face à du courage. Hein. L'alliance, ça va tant que je suis soutenue. Après, quand je le suis moins, pardon. Mais pour l'instant, la tête sur billot avec beaucoup de sagesse, regardez. Regardez, avec beaucoup d'intelligence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Intelligence, sagesse. Il sait, là, il est soutenu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, le gars. Il est sans foi ni loi. Ah, punaise. Punaise. Allez, vous voyez quand la fin va sonner? Oh pardon, on s'en est pas compte. C'est une question de temps. La fin est à l'envers, question de temps. Ici, par rapport à la maladie. La fin, elle se fait sentir quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher hein. Par rapport à tout ça. Il y a une fin quand même qui est là. Hein, là. Ouais. Ah ben vous voyez, il faut faire des choix. Ah, il va falloir faire des choix. Et comme on est sur un... Voilà, hein, regardez ce qu'il fait. Il est calculateur. Il cherche toujours en fonction de ce qui va l'aider le plus possible. Moi, il me fait vomir. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Il va être isolé. Il va être isolé. Et ça vient de là-haut. Punaise. Il est temps. Bon, ça sent le newf aussi, ça. Hein. Vous voyez, ça, pour moi, à chaque fois, ça me fait penser à la prison aussi. Hein, d'accord? Oui, ça serait bien. Hein, ça serait bien. On va pas se mentir. Bon, il n'y a plus d'élévation. À un moment donné, hein, la toute grandeur, élévation, intelligence, bim! Fini. À l'envers.
ça ne marchera pas, hein, toutes leurs histoires par rapport aux enfants, ça ne marchera pas. Hein. Ok, oméga. Bon, la fin de la richesse aussi, c'est cool. La fin de la richesse et de l'entente étatique. À toutes et à tous. Allez, le choix pourquoi? Ah oui, il va falloir sauver ton âme. Ah bah, il est temps. Je vous dis, c'est un caméléon, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc à un moment donné, il va dire, oh là 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 là, je vais faire le choix, celui qui me protégera le plus. Hein. Vous voyez, le choix avec lequel je suis le plus à l'aise, qui va me protéger. Il fera toujours en fonction. Bon, nous, il y a quand même. Pardon. Nous, on va être aidés. Il y a vraiment des révélations qui vont être faites, qui vont vraiment. Les révélations sont en dessous, hein, rappelez-vous. Il y a des choses encore cachées concernant la santé qui vont être faites. Ça vient de là-haut, d'accord? Et là, il devra faire un choix. Mais nous, on est protégés quelque part. Ben, notamment là. Il va falloir, mesdames, arrêter de faire des conneries quand on est enceinte. Sans déconner, on ne peut même pas prendre de Doliprane ou que du Doliprane. Depuis quand on a vu un pseudo-breuvage qui sort de n'importe où injecté aux femmes enceintes? Non mais sérieusement, ça s'appelle du bon sens. Bref, je ne veux pas faire la dame qui veut donner des leçons, etc., etc., etc. Mais vraiment, j'ai été enceinte. Two points, deux fois. Sans déconner, c'en est même insupportable. Vous pouvez avoir n'importe quoi à partir du moment où vous êtes enceinte, on ne prend rien. Et comment, du jour au lendemain, un breuvage qui sort ni d'Adam ni d'Ève va être efficace, sans rire. Enfin bref. Là, moi je veux bien pour le boulot, je veux bien. Hein? Mais à part jouer sur la peur et partir en courant sans réfléchir, bon ben il n'y a que ça qui fonctionne, quoi. Le bon sens. Alors toutes les dames qui attendent un bébé, du bon sens. Voilà. La fin des richesses, la fin des contrats. Vous voyez les ententes, la fin. Les ententes pour la thune. Enfin bon, bah, je vais pas continuer en dos de deck. Hein. Bon bah c'est à l'envers. Hein. Il monsieur a perdu son âme. Regardez la foudre. Regardez l'énergie. La foudre va lui tomber dessus. C'est de l'énergie. Encore c'est gardé sous silence. Mais par rapport à la femme aussi. Bon, ça vient du ciel, hein, voyez, et de Dieu. Et c'est une vraie nécessité, nous sommes bien d'accord. Bon, messieurs, dames, que vous dire de plus? Que vous dire de plus que... Là, je ne vais pas lui faire le jeu des... Oh, pourquoi pas, hein, en restant très dans l'équité, dans l'authenticité, dans l'intégrité. Qu'est-ce qu'on lui dit à lui avec le jeu de E? Pour conclure, face à ce personnage, regardez, toujours, toujours la bonne direction. Ça, c'est vraiment un leitmotiv. Je choisis la bonne direction pour moi, pas pour les autres, hein, on est bien d'accord. Et tout ça pour être le plus grand des plus grands. N'est pas Raoul Théperon qui veut Pépère, hein, d'accord? Ou Louis Fouché, n'est pas ce genre de personne qui veut. Toi, pour moi, t'es Jules Clodo, mais bon. Heureusement, oh, regardez, 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 le Tout-Puissant est là. Nous sommes dans la bonne direction. Le Tout-Puissant est là. Jeu d'enfant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Les enfants, c'est pas pour rien. Jeu d'enfant. Le jeu, leur jeu, les enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est un jeu sympa, hein, le jeu de E, l'oracle E. Franchement, c'est toujours fun, c'est toujours sympa. N'empêche que jeu d'enfant, c'est pas sorti pour rien. D'accord? Le Tout-Puissant est là. Et pour lui, les enfants seront protégés, soyez-en certains. C'est le présent, donc ça bosse pas mal hein, sur les enfants, ça c'est sûr, des deux côtés. Vous êtes couverts, misez tout. Ça veut dire aussi que ce gars, tant qu'il est couvert, sans foi ni loi, il y va, d'accord? Ah oui, lui, il sait comment faire, il a un GPS intégré. Mais ça veut dire aussi pour nous, messieurs, dames, surtout mesdames, sortez votre GPS. Sortez votre GPS, que ce soit pour vous, mesdames, qui attendez un petit baby, ou pour les personnes qui ont déjà des enfants. Misez tout sur votre souveraineté. Sortez votre GPS. Écoutez votre cœur, ok? Le cœur qui bat. Il est à votre service, votre cœur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà.
Messieurs, dames, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques petits éclaircissements hein, concernant cette illustre personne à... Voilà. Et puis, moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire à très vite, à très bientôt. Continuez de rester en famille, de partager vraiment, vraiment, vraiment avec les vôtres. Sortez, faites des gâteaux, ne regardez pas les mainstream, ne regardez pas la télé, même YouTube s'il le faut, ne regardez pas. Si ça devient trop lourd, on ne regarde rien et basta. Et tout est totalement juste et normal. Bref, ceci étant, bon petit déj à tous, super café. Pour moi, comme d'habitude, jus d'orange, café de croissant. Et du bacon. Oh oui, du bacon grillé, oh, ça j'adore. Bref, je vous dis à très bientôt, à ciao ciao, à très vite, c'était Nina. Nina, mon Dieu, c'était Nina, ciao ciao.